regarder comment est-ce qu'on fait la conversion en partant d'un nombre qui va être un nombre positif ou négatif pour obtenir son codage en complément à 2. Pour cela, on va devoir distinguer le cas où ce nombre est positif et ce nombre ou négatif. Dans le cas où le nombre est positif, on va immédiatement prendre le nombre et on va le convertir comme habituellement pour obtenir un nombre hexadécimal puis un nombre de binaires. Donc ici, 123, je fais la division par 16 de 123, je trouve 7 et il reste 11, donc je représente 123 comme étant 7 fois 16 plus 11, donc 7 et B, que je recopie ici, 7 et B, comme n'importe quel nombre positif, comme s'il avait été représenté, d'ailleurs, en codage non signé. Si c'est un nombre négatif, je vais devoir prendre le nombre que j'ai ici, plus 256, donc j'ai moins 83, plus 256, 2 puissance, le nombre de bits. Je vais obtenir ici, en sortant ma calculatrice, 173, et je vais convertir 173 comme si c'était un nombre non signé. Donc 173 divisé par 16, 173 divisé par 16, j'obtiens 10 et il me reste 13. 10, c'est représenté par le chiffre A. 13, c'est représenté par la lettre D. Donc, on va pouvoir écrire que 173 est égal à 10 fois 16 plus 13. 10 pour A, 13 pour D. Et on aura donc ici A, D. Et on remarque au passage que si on convertit AD en nombre non signé, on retrouve ce nombre 173. Une fois qu'on a le codage en hexadécimal, on va facilement pouvoir coder le nombre B et le nombre 7 en binaire. Donc 7, 0, 1, 1, 1, 7 que je retrouve ici, B, B que je retrouve ici, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ici, le D que je retrouve ici, 1, 1, 0, 1. Et le A que je retrouve ici, 1, 0, 1, 0. Voilà, nous avons converti des nombres signés en nombres hexa et binaires en utilisant le codage en complément à 2.